Il est écrit dans Jérémie 42 au verset 6. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Père céleste, Dieu de souveraineté et de bonté, nous t'adorons et te louons de ce que tu veilles sur nous merveilleusement, jalousement et fidèlement, de manière à ce que nous existions dans la paix, la joie et la prospérité, dans la mesure où nous écoutions, obéissions et suivions tes instructions, prescriptions et ordonnances. Nous nous repentons de nos propres et viles voies, malséances et initiatives inconscientes, pernicieuses et vaines, en sorte que nous observions, respections et mettions en pratique sans murmure, ni compromis, ni hésitation, toute ta parole. Saint-Esprit, concentre et focalise toute notre oui et toute notre attention à la voix de Dieu. Paralyse, lie et éloigne de notre vie tout esprit d'incrédulité, de rébellion et de jalousie, afin que nous convergions, avancions et marchions dans ta vision avec foi et détermination, quelles que soient les circonstances, épreuves et difficultés, car tu fais surnaturellement, infailliblement et sûrement jaillir ta lumière du fond des ténèbres, le positif du négatif, le bien du néant, pour notre salut et en vue de la vie éternelle en abondance, suivant ta volonté, au nom puissant et majestueux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.